What's up tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Destiny. Et comme vous le savez, le vendredi sur Destiny, eh ben c'est le jour de Xur. Et normalement cette semaine avec le DLC Xur, eh ben il envoie du pâté. Donc voilà, donc tout simplement on va aller le rejoindre. Donc il se trouve à l'épreuve, voilà juste ici à gauche. Voilà, et aujourd'hui Xur, eh bien voilà, il vend un bras de titan, donc les ailes de la perdition. Déjà il commence à 32 lumières de base, donc vous perdrez pas de lumière si vous êtes niveau 30. Et vous pourrez aller jusqu'à 36 de lumière. Voilà, ce bras vous permettra de trouver davantage de munitions lourdes et d'infliger des dégâts à l'aide de votre attaque de mêlée. Ça réduira le temps de récupération de votre grenade. Pardon, je suis en train de lire en même temps. Et ça augmente aussi la vitesse de rechargement des armes spéciales, donc des armes secondaires. Voilà. Ensuite, le casque de chasseur, je vous le cache pas, celui-là je l'ai pris, donc le symbiote acliophage. Donc il vous permettra d'obtenir un tir de pistolero supplémentaire, ça c'est la grosse faculté du casque. Ensuite la portée de lancer des grenades est augmentée et le gain d'énergie de votre super est amélioré en cas de frag à la grenade. Voilà. Ensuite vous avez un torse d'arcaniste, donc vraiment un très bon torse aussi qui permet d'avoir la décharge d'action. Donc c'est une grenade spéciale pour l'arcaniste hein, qui sera déjà un petit peu augmenter si vous voulez la jauge quand vous réapparaîtrez. Ça va aussi augmenter la capacité en munitions des revolvers et des armes spéciales. Voilà. Et ensuite pour l'arme de la semaine, ça va être le Vérité. Vraiment, je vous conseille de l'acheter pour ceux qui vont faire le raid de la lune, parce que à la deuxième étape, quand vous passerez le pont, il va y avoir deux ogres qui vont apparaître. Et les ogres, en fait, faut tout simplement prendre des armes de dégâts abyssaux pour les tuer beaucoup plus rapidement. Voilà. Et ensuite, comme c'était prévu, il vend des éclats exotiques contre 7 pièces étranges et un engramme exotique. J'en ai acheté un juste avant, donc on va aller le démanteler ensemble à la fin de cette vidéo. Voilà. Et grosse nouveauté par rapport au DLC, donc en fait, si vous possédez ces équipements, donc voilà les divers équipements qui sont ici, Xur va vous proposer d'avoir la version améliorée. C'est-à-dire que on sait tous que les armes avant atteignaient 300 d'attaque. Donc voilà pour les armes, et maintenant elle peut monter jusqu'au niveau 331. Donc voilà. Donc par exemple, moi je possède la Suros. Là vous voyez en bas, je possède donc c'est en vert la reine de Suros. Contre un éclat exotique et 7789 lumens, et ben je pourrai avoir la version améliorée de la Suros. C'est-à-dire que la Suros elle commencera à 302 d'attaque, donc ça veut dire que j'ai déjà gagné 2 points d'attaque, et je pourrai l'améliorer jusqu'au niveau 331. Voilà. Je trouve que c'est une super bonne chose, ça permet de ne pas avoir à relooter les armes une deuxième fois. C'est vraiment sympa. Et c'est pareil hein, pour les équipements, vous voyez, si vous possédez ce casque ou ce bras, voilà, tous ces équipements-ci, eh ben, ça va vous permettre de pouvoir avoir la version améliorée. Certes, il faudra recommencer à zéro l'amélioration des armes, mais franchement, moi, je trouve que c'est une super bonne chose, voilà. Et ensuite, cette semaine, vous pourrez améliorer les fusils à impulsion, les fusils d'éclaireur et... il y a deux fois les fusils... Ah non, les fusils à impulsion, les fusils d'éclaireur, pardon, et les fusils à infusion, voilà, je vais y arriver, beaucoup plus rapidement grâce aux télémétries, donc contre une pièce étrange, comme d'habitude. Ensuite, les améliorations de passereau contre 23 pièces étranges, donc les moteurs à plasma. Voilà. Et ensuite, donc, bah voilà, là, c'est la petite pour ceux qui ont fait la quête avec le DLC, je vais le prendre tout de suite, c'est l'urne qu'on doit échanger contre Xur pour poursuivre la quête. Voilà, l'urne du sacrifice, que je vais devoir certainement ramener à Iris. Allez, pour finir cette vidéo, on va simplement aller démanteler mon petit engramme exotique. Voilà, allez, on va voir. Est-ce que je vais avoir un truc sympa? De toute façon, je risque d'avoir d'exotiques, forcément. Mais pour quel personnage? J'espère pas pour le chasseur, parce que j'ai déjà... Ah bah, impeccable, pour mon arcaniste, voilà. C'est impeccable, franchement je suis content. Pour mon arcaniste, voilà, j'ai eu un petit casque qui va monter à 36 de lumière. Je vais les mettre tout de suite dans le coffre, mais juste avant, comme je viens de passer un petit niveau de cryptarch, je sais qu'il y en a qui aiment bien voir l'ouverture des engrammes. Ah bah pas de chance, j'ai tapé que du bleu, je vais aller les ouvrir avec vous quand même. Hop. Il va me donner de la merde. Ah, une pièce étrange, je suis toujours preneur. Allez, bon bah voilà. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement, cette semaine, soyez là parce que je vais bombarder de vidéos. Enfin, avec Lady, on va vraiment bombarder de vidéos. On va essayer de faire des lives. Et voilà, donc soyez au rendez-vous. Je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et je vous fais des grosses bises. Salut tout le monde, ciao!